just wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve non pas sur GTA 5 mais pour une petite vidéo qui devrait vraiment vous intéresser. Un modeur a réussi à voir les tout nouveaux masques qui arriveront dans le DLC événement d'Halloween. Donc je voulais vous en faire part, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour ceux qui voudraient aller jeter un coup d'œil. Alors c'est parti, on regarde la totalité des masques qu'il y aura. Donc on commence tout de suite avec la citrouille diabolique. Nous avons ensuite la citrouille moisie. Nous avons par la suite la pastèque hideuse, donc assez bizarre et assez louche, mais je la trouve assez stylée. Nous avons ensuite le majordome affreux, il a vraiment une sale tête, en plus son œil et ses dents, c'est assez affreux. Le majordome mort cette fois-ci, avec les gens, les dents jaunes, les yeux jaunes, etc. Bref, c'est un mort vivant quoi. Nous avons le majordome décomposé, donc là c'est encore pire, c'est du grand n'importe quoi. Nous avons le psychopathe brûlé blanc. Nous avons ensuite par la suite psychopathe brûlé noir. Nous avons le démon écorché rouge, nous avons le démon écorché vert, nous avons le démon écorché gris, nous avons le crâne blanc surgissant, je le trouve assez stylé celui-là. Nous avons le crâne rouge surgissant cette fois-ci, donc avec des couleurs assez différentes. Nous avons les loups-garous, donc le loup-garou pâle, le loup-garou sombre et tout un tas d'autres loups-garous. Ça c'est super stylé. Nous avons insecte toxique vert, nous avons insecte toxique mauve. Bref, nous avons tout un tas de nouveaux masques qui vont faire leur arrivée sur GTA Online d'ici peu. Je pense que Rockstar ne l'annoncera pas car c'était normalement une petite surprise. Je vous laisse regarder la suite des masques. Vous allez voir qu'ils sont assez intéressants et assez stylés. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un de ces masques. Moi, je me reconnais dans le loup-garou. Vous savez pourquoi. Vous n'oubliez pas de me donner tous vos avis dans l'espace commentaire. Vous me dites quel est le masque qui vous a le plus plu, que je sache un peu vos avis. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et là, on se rend dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.